Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir en nombre, même si en fait nous ne nous voyons qu'à travers des écrans. Et je suis ravi de pouvoir accueillir au nom de l'Académie royale et du Collège Belgique Geneviève Toussaint, dont le profil va peut-être vous sembler très singulier par rapport à ce qui est notre sujet qui nous réunit ce soir, puisque Geneviève Toussaint a fait des études de droit. Elle est titulaire d'un DES, d'un diplôme d'études spécialisées en droit international et européen de l'UCL. Elle est une spécialiste du droit des médias et du droit de la culture. Et Dieu sait que je pense que la culture, dans un avenir rapproché, aura besoin d'être défendue par de solides juristes, et elle en fait partie. Mais surtout, depuis quelques années, elle s'est intéressée à un sujet d'histoire de l'art, plus exactement d'un sujet d'histoire culturelle, d'histoire des représentations, qui est la représentation des vanités. Alors, avec un très mauvais humour, on pourrait dire un grand avocat qui s'intéresse au problème des vanités, c'est assez intéressant, c'est presque une résonance anthropologique, mais ce n'est pas de ces vanités-là qu'il s'agit, mais bien de celles qui ont, à travers l'histoire, accompagné notre développement intellectuel et culturel. Et Geneviève Toussaint a animé, elle a développé durant la période de Covid, une chronique montrant d'ailleurs que ce rapport à la mort qu'induit la vanité dans sa pratique artistique, littéraire, picturale et autres, on en verra d'autres, eh bien ce rapport à la mort est vraiment fondamental de la période que nous avons traversée, cette période Covid et que nous traversons encore. Je suppose qu'elle aura l'occasion d'en parler. Elle a une conférence qui est assez fournie. Vous allez voir beaucoup d'images. Elle est très généreuse du savoir qu'elle veut partager. Et donc, je n'ai pas envie que l'on perde davantage de temps et je lui cède d'emblée la parole. Chère Geneviève Toussaint, je suis très honoré de vous accueillir à l'Académie royale et au Collège Belgique. Voilà, la scène, l'estrade est à vous, mais la parole est à vous et à travers les réseaux que nous formons, elle va se disséminer parmi les participants. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous retrouverai à la fin de la conférence. Merci beaucoup, Monsieur Braguet. Je suis vraiment très reconnaissante d'avoir accepté d'être le responsable académique de cette conférence, car le sujet des vanités est encore trop peu connu, à mon sens. Et vous êtes aussi impliqué dans l'amélioration de sa connaissance, puisque ainsi, en acceptant d'être responsable académique de cette conférence, eh bien, ce sujet bénéficie un peu de toute la lumière de ce que vous avez fait pour les arts en Belgique pendant toutes ces années. Donc, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier l'Académie, bien entendu, d'avoir fait de la place au sujet des vanités en art dans le programme prestigieux des conférences du Collège Belgique. Et puis, je sais aussi que nous sommes très nombreux ce soir. Donc, je ne veux pas manquer de saluer tous mes amis belges, français, suisses et même mexicains. Voilà, c'est les avantages de la visioconférence, même s'il y a des petites complications techniques au début pour tous ceux qui la pratiquent. Alors, le sujet des vanités, comme l'a dit Michel Draguet, est un sujet qui me tient à cœur, car il est une invitation à penser notre finitude et notre place dans l'univers, et aussi à questionner nos priorités dans la vie. Donc, ce sont deux éléments qui sont essentiels à toute vie humaine, et c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, cette conférence était prévue pour le 21 avril 2020, et puis les circonstances en ont décidé autrement. Et à mon grand regret dans un premier temps, mais finalement, 10 mois après, je trouve que cette crise a renforcé la pertinence de ce thème. Alors, pour entrer tout de suite dans le sujet, je vous propose une photo de Duane Michaels, un photographe américain, qui met en scène un échange de regards entre le peintre suisse Baltus et son épouse Setchoukou. Sur cette photo, qui date de l'année 2000, donc à quelques mois de la mort de Baltus, Baltus a à ce moment 92 ou 92 ans, si vous voulez, et Setchoukou en a 57. Et Setchoukou tient un miroir qui renvoie le reflet du visage vieilli de Baltus vers le spectateur, nous invitant ainsi à une méditation à trois sur la fragilité de la condition humaine. Pour cette conférence, je vous propose un chemin en deux étapes. Après une courte introduction sur ce qu'on entend par vanité en art, j'ai divisé la séance en deux parties. Une première partie sera consacrée à l'ancrage philosophique des vanités.
Dans cette partie qui sera plus théorique, je vous montrerai que le thème des vanités est littéralement habité par les grands thèmes philosophiques et que c'est précisément ce qui en fait des œuvres d'une profondeur tout à fait particulière. Et nous verrons comment la philosophie et l'art interagissent dans les vanités, la philosophie par la raison et l'art par l'intuition. Cet ancrage s'opère dans trois grandes branches de la philosophie que sont la métaphysique, l'éthique et l'esthétique. Dans une seconde partie de la conférence, nous ferons le voyage du thème des vanités à travers les arts en regardant, bien entendu, les œuvres. Le caractère des vanités a un caractère transversal, c'est-à-dire que les vanités concernent quasiment tous les arts et toutes les époques. On trouve des vanités en peinture, en sculpture, des performances, des installations, des photos, des vidéos, du cinéma, en littérature, en poésie, en théâtre, en danse aussi et en musique. Elles sont présentes de l'Antiquité à nos jours. Comme il existe un très grand nombre d'œuvres d'art sur le thème des vanités et que le temps de la conférence est limité, donc j'ai choisi de me concentrer sur les grandes étapes de l'évolution de leur message. Et nous verrons que le thème des vanités revient en force dans l'art contemporain. Nous nous interrogerons sur la signification de ce phénomène, ce retour en force des vanités aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être remarqué. J'ai gardé pour la toute fin de la présentation une magnifique vanité musicale. Alors tout d'abord, qu'entend-on par vanité ? Avant d'analyser ce que sont les vanités en art, voyons d'abord ce que recouvre le terme de vanité en général. Le terme de vanité vient de la Bible, du livre de l'Ecclésiaste que vous connaissez tous, vers 250 avant Jésus-Christ, avec cette phrase « vanité des vanités, tout est vanité ». L'Ecclésiaste, un terme qui signifie « l'homme qui parle aux foules », dresse d'abord un constat d'impuissance. S'interrogeant sur le sens de la vie, il constate que tout vient de la poussière et retourne à la poussière. Et il décrit « la vie éphémère et dès lors les biens terrestres précaires et vains ». Même le savoir, dit-il, est vanité, car le savant meurt aussi bien que l'ignorant. Et puis, pour affronter cette réalité sans sombrer dans le pessimisme, il conclut par une morale de sagesse qui consiste à être conscient de cette situation et l'accepter, apprécier les plaisirs simples de la vie, se tourner vers Dieu et lui obéir. On voit ici, bien entendu, le contexte religieux de l'Ecclésiaste. Alors ce texte va avoir une portée considérable, notamment chez les philosophes et chez les artistes. Au fil du temps, sa résonance pénétrera même des contextes non religieux avec simplement l'idée de se tourner vers d'autres valeurs que celles liées aux apparences. À propos de l'Ecclésiaste, je renvoie notamment au bel ouvrage de Jacques Ellul, La raison d'être au seuil. Alors, il y a aussi les mots du langage courant, le mot vain, issu du latin vanus vide, qui renvoie à ce qui est futile, illusoire ou inutile. Ou encore le mot vanité, qui vient du latin vanitas, lui-même issu de vanus vide. À la différence de l'orgueilleux, qui se positionne d'abord par rapport à lui-même, eh bien, le vaniteux se détermine d'abord par rapport au regard d'autrui, en voulant avant tout paraître, ce qui est considéré comme un défaut, signe de futilité et de faiblesse. Alors, une vanité en art maintenant. Dans ce sens-là, vous remarquez qu'il est d'usage d'écrire le mot vanité avec une majuscule. Une vanité en art, c'est bien entendu une œuvre d'art, c'est-à-dire, comme toute œuvre d'art, une création originale qui reflète la personnalité de l'auteur. Jusqu'ici, rien de particulier. C'est une œuvre d'art d'un genre particulier. Un genre, c'est un ensemble d'œuvres avec des caractéristiques semblables. Et le genre des vanités a deux caractéristiques. Un thème, le memento mori, rappelle-toi que tu es mortel, qui nous parle de trois choses. De la fragilité de la condition humaine. Bien sûr, je parle ici de la condition humaine en lien avec la métaphysique et pas la condition humaine de l'homme dans la société. Deuxième sous-thème du memento mori, la précarité des biens terrestres. Et enfin, la question de la transcendance. On voit donc bien ici la parenté du thème des vanités en art avec le thème de l'Ecclésiaste. Outre ce thème, eh bien, le genre des vanités a un langage
qui est fondée sur l'allégorie. Pour faire simple, une allégorie, c'est la représentation concrète d'une notion abstraite par une image, un texte ou un objet. Pour illustrer cela, je vous montre tout de suite un exemple en peinture avec Pieter Boulle, peintre baroque flamand, et son allégorie des vanités du monde de 1663, qui contient un certain nombre d'éléments clés d'une vanité. La construction de ce tableau, remarquez bien, consiste à magnifier les biens terrestres et les apparences, afin de mieux, d'un autre côté, en montrer le caractère précaire en les mettant en relation avec des objets qui symbolisent notre vie éphémère. Alors, selon la définition que j'en ai donnée, une vanité, c'est donc un thème, celui du Memento Tomori, « Rappelle-toi que tu es mortel », qui nous parle, comme nous venons de le voir, de la fragilité de la condition humaine, de la précarité des biens terrestres et de la question de la transcendance, avec plusieurs aspects que je vais expliciter. Outre son thème, une vanité, c'est aussi un langage pictural fondé sur l'allégorie. Je vous rappelle ce que j'ai dit, donc allégorie, une représentation concrète d'une notion abstraite par des images, des textes, et que, ou comme ici, par des objets. Quels sont donc ces objets? En ce qui concerne la fragilité de la condition humaine, pour la mort inéluctable, vous voyez sur ce tableau un crâne avec une couronne de laurier qui semble triompher en haut de la composition et qui donne tout son sens à l'œuvre. Dans d'autres tableaux, à la place du crâne, on pourra avoir par exemple un squelette. Pour le passage du temps, ici, Boulle a choisi des sculptures en référence à l'histoire de l'art. Dans d'autres tableaux, on pourra avoir un sablier, une horloge ou encore une fleur fanée. En ce qui concerne la précarité des biens terrestres, on a ici, pour le pouvoir et les honneurs, une couronne, pouvoir temporel à gauche, ou une mitre, pouvoir religieux à droite, ou encore une armure en bas. Pour la richesse, un plat d'orfèvrerie. Dans d'autres tableaux, on pourra avoir des bijoux, des pièces de monnaie, toute chose qui peut symboliser donc la richesse. Pour les arts, ici, un tambourin pour la musique et une palette de pinceaux pour la peinture. Pour le savoir, enfin, des livres et un globe terrestre. En ce qui concerne le thème de la possibilité d'une transcendance, nous avons ici un cercle, le cercle sans commencement ni fin, qui symbolise l'éternité. Dans d'autres tableaux, vous verrez, nous aurons parfois un papillon qui symbolise lui aussi la transformation. Enfin, dans les vanités, vous verrez qu'on trouve souvent un phylactère. Phylactère, c'est-à-dire une inscription sur un parchemin, une banderole ou sur un objet. Ici, sur un sarcophage, donc sur un objet, on peut lire « Vanitati es », traduction « le sacrifice de la vanité ». En résumé, deux précisions importantes à propos de ce qu'est une vanité. Premièrement, le thème des vanités est plus large que celui de la mort. Un crâne, à lui seul, ne fait pas une vanité. En nous rappelant que nous sommes mortels, il faut bien comprendre que c'est en fait sur notre vie que les vanités nous invitent à méditer. Secondement, les vanités ne disent pas de bannir les biens terrestres. Elles parlent de la place à réserver à ceux-ci. Et maintenant, nous allons voir comment s'opère l'ancrage philosophique des vanités. Alors, pour bien comprendre ce qui est à l'œuvre, je vous propose de remonter très loin dans le temps. Au moment où l'être humain expérimente sa présence dans l'univers, cette situation originelle va en effet faire naître chez lui un étonnement fondamental. En effet, depuis la nuit des temps, l'être humain se trouve jeté dans un univers qui le dépasse, prisonnier entre une naissance non choisie et oubliée et une mort inéluctable et inconnaissable. Face à ce mystère fondamental, l'être humain va tenter d'explorer le monde de deux manières différentes. Par l'intuition, ça va donner la religion ou encore l'art, et par la raison, ça va donner la philosophie et la science. Comme le rappelle Hegel dans son ouvrage L'esthétique en 1829,
l'art, la religion et la philosophie, on pourrait maintenant ajouter la science, ne diffèrent que par leur forme. Leur objet est le même. L'art, la religion et la philosophie ne diffèrent que par leur forme. Leur objet est le même, à savoir répondre au questionnement fondamental de l'être humain. De cet étonnement fondamental va naître la philosophie, méthode de questionnement du monde par la raison. Dans son étonnement fondamental, l'être humain se pose plusieurs questions essentielles. Il se demande, bien sûr, qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et où allons-nous ? Comme le suggère cette sculpture d'un artiste inconnu qui représente Vézal, un médecin belge du XVIe siècle, auteur du plus grand traité d'anatomie de la Renaissance, qui interroge les mystères de la vie humaine. Alors, la philosophie va traiter de ces questions dans sa branche dénommée la métaphysique, qui, comme son nom l'indique et comme vous le savez, étudie ce qui est au-delà de la physique. Pour ce qui est du « qui sommes-nous », la métaphysique analysera l'essence du monde, c'est-à-dire elle va se demander quelle est la véritable nature des choses au-delà des apparences. En ce qui concerne le « d'où venons-nous », eh bien, la philosophie questionnera l'origine des choses, les causes. À propos du « où allons-nous », la philosophie parlera de la question de la finalité de ce qui existe. Alors, outre ces trois premières questions, l'être humain, dans ses origines, va aussi se demander « que devons-nous faire ?» Eh bien, cette fois, c'est la branche de la philosophie qu'on appelle l'éthique qui répondra en étudiant l'action humaine. Enfin, pour la question « comment traduire l'invisible ?», question qui est présente depuis les origines de l'humanité qui concerne l'expression artistique, eh bien, c'est la discipline de la philosophie qu'on appelle l'esthétique qui étudiera l'art. Bien entendu, ces rappels élémentaires sur la philosophie ne sont pas là en supposant que vous ne savez pas ce qu'est la philosophie. En fait, je veux démontrer mon affirmation d'ancrage des vanités dans la philosophie. Donc, ces trois branches de la philosophie que sont la métaphysique, l'éthique et l'esthétique vont donc être l'arrière-plan des vanités. Et je n'ai pas fini ma démonstration. Pour vous convaincre, je poursuis donc. Les vanités vont s'ancrer dans la philosophie pour rendre sensible la métaphysique, l'éthique et l'esthétique de la condition humaine. Comme nous venons de le rappeler, la métaphysique traite de l'essence, de l'origine et de la finalité des choses. C'est là que le lien va s'établir. Eh bien, c'est précisément de tout cela dont nous parlent les vanités, à savoir, ici, pour la métaphysique, la fragilité de la vie, avec la mort inéluctable et le passage du temps, la précarité des biens terrestres, ainsi que la question de la transcendance, qui sont des thèmes métaphysiques par excellence, je vous l'ai montré. En ce qui concerne l'éthique, nous avons vu qu'elle traite de l'action humaine, et bien toujours le même lien avec les vanités. Du point de vue de cette action humaine, les vanités nous proposent une éthique pour réexaminer nos priorités. Je vous laisse le temps de bien assimiler tout ça, c'est très précis ce que je veux vous dire. Nous voyons que le thème des vanités, le memento mori, est ancré dans la métaphysique et l'éthique. Ça, c'est la première partie de ma démonstration. Pour ce qui est de l'esthétique, qui traite de l'art, eh bien, les vanités reposent sur la force de certaines allégories qui vont constituer le langage des vanités. Alors, j'espère que j'ai réussi mon propos, donc, qui est de vous montrer que les vanités sont bien en lien intime avec la philosophie. Et analyser ce lien, c'est ça que je vous propose aujourd'hui, ça permet d'éclairer vraiment ce qui est à l'œuvre dans les vanités et qui en fait précisément des œuvres d'une profondeur tout à fait particulière. Alors, il y a d'autres œuvres d'une profondeur particulière, mais les vanités ont cette particularité d'avoir ce lien quasiment structurel avec la philosophie. Et je vous le montrerai après en illustrant par, bien entendu, des œuvres. Maintenant, je vous propose d'examiner un peu plus en détail cet ancrage philosophique des vanités
successivement dans ces trois aspects métaphysiques, éthiques et esthétiques au travers de ce qu'en disent certains philosophes. Pour la métaphysique et l'éthique, j'ai choisi de partir du travail de Jean-Michel Longuiot, un philosophe belge qui enseigne à l'Université de Namur et qui dresse un constat absolument magistral sur la métaphysique et l'éthique de la condition humaine. La métaphysique et l'éthique de la condition humaine en général. Et il fait ça dans sa publication « La souffrance comme exemple d'une phénoménologie de la subjectivité ». Je signale, pour ceux qui peuvent être intéressés, un livre que Jean-Michel Longuiot a écrit plus récemment, 2020, et qui recoupe notre sujet, et qui s'intitule « Finitude, solitude, incertitude, philosophie du deuil », dans lequel il applique son analyse de la condition humaine à une souffrance particulière qui est celle du deuil. C'est assez brillant. Je précise bien que Jean-Michel Longuiot fait cette analyse indépendamment du sujet des vanités. C'est moi qui suis partie de son travail, car je l'ai trouvé extrêmement fécond pour mettre en lumière ce qui se passe au niveau métaphysique et éthique dans le memento mori des vanités. Alors, pour ce qui concerne la métaphysique, Jean-Michel Longuiot dresse un constat sur la condition humaine. L'être humain est pris d'une manière structurelle entre, d'une part, son existence, qui est finitude, solitude et incertitude, et d'autre part, son désir, qui est désir de toute puissance, désir de fusion et désir de sécurité. Et il oscille en permanence entre les deux, comme un funambule en quête de lui-même. Alors, que se passe-t-il en réalité? L'être humain est confronté à son désir de toute puissance qui l'incite à tout maîtriser et tout comprendre. Mais il doit bien admettre que cela est inatteignable et il est renvoyé à sa finitude qui lui rappelle ses limites et qui lui enseigne qu'il est un être éphémère, impuissant pour les choses essentielles, naissance, mort, qu'il ne choisit pas, et impuissant aussi dans la connaissance. Et il est aussi confronté à son désir de fusion qui l'incite à la recherche d'une unité parfaite avec l'autre. Mais là encore, sa solitude l'oblige à admettre que, même entouré de nos proches, nous naissons, vivons et mourons seuls. Enfin, l'être humain est confronté à son désir de sécurité, avec l'exigence que quelque chose nous est dû et que la réalité répondent à nos attentes. Mais là encore, l'incertitude est là pour lui montrer que rien n'est jamais certain, sauf la mort, et que rien ne nous est dû. Ce que Jean-Michel Longuiot décrit magnifiquement ici, c'est ce que vous voyez, la dialectique du conflit entre le désir de l'être humain, qui est immense, vous voyez tout le champ de ce désir à droite sur le schéma, et les limites structurelles de son existence à gauche sur le schéma. Et toute sa vie n'est qu'une tension entre ces deux choses. Alors, pour reprendre les termes de Jean-Michel Longuiot lui-même, l'homme projette sans cesse sur la vie ses attentes, ne voyant même plus que ce sont là des projections de sa part et non pas des lois infaillibles de la nature. Donc, on voit ici déjà, dans cette analyse de Jean-Michel Longuiot, poindre les éléments qui sont à l'œuvre dans la méditation sur la condition humaine que nous proposent les vanités. Alors, après avoir dressé, avec l'aide de Jean-Michel Longuiot, ce constat de ce qui ronge les êtres humains, j'ai souhaité partager avec vous un certain nombre de réflexions de philosophes illustres sur ces différents aspects de la condition humaine. Alors, compte tenu du temps imparti, j'ai retenu quelques incontournables qui sont chers à mon cœur, et sachant qu'il y en a évidemment un très grand nombre d'autres. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la finitude de l'être humain, un être éphémère, impuissant pour les choses essentielles, la naissance et la mort, je n'ai pas résisté à Blaise Pascal, janséniste, dans son ouvrage « Les pensées » qui écrit « Quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée dans l'éternité précédente et dans la suivante, le petit espace que je remplis et même que je vois abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie. » Donc on voit ici très bien le talent de Pascal qui, en peu de mots, soigneusement choisi, ciselé, formule la frayeur de l'être humain lorsqu'il découvre sa fragilité dans l'immensité de l'univers et aussi son étonnement d'être là. Alors, j'ajouterais que le constat de notre finitude concerne aussi la connaissance, comme l'explique Emmanuel Kant,
dans la critique de la raison pure, la véritable nature des choses, ce qu'il appelle la chose en soi, nous dit-il, nous sera toujours, toujours inaccessible, car les filtres inhérents à notre esprit ne nous donneront jamais accès qu'au phénomène. En ce qui concerne la solitude, je vous propose ce qu'écrit Gaston Berger dans son livre « La présence d'autrui ». Il écrit « Je suis tout seul et comme muré en moi-même. Je découvre, en même temps, que l'univers des autres m'est aussi exactement interdit que le mien leur est fermé. On meurt comme on est né, tout seul, les autres n'y peuvent rien. L'homme est condamné par sa condition même à ne jamais satisfaire un désir de communication auquel il ne saurait cependant renoncer. » Alors, bien entendu, la solitude dont nous parlons ici est la solitude métaphysique inhérente à la condition humaine, indépendamment de toute solitude sociale et du fait que nous soyons entourés ou pas. Pour l'incertitude, je vous propose une phrase de Heidegger dans Être et temps. Sitôt qu'un homme vient à la vie, il est tout de suite assez vieux pour mourir. Avec cette phrase que Heidegger reprend d'un texte du Moyen-Âge, Le laboureur et la mort, Heidegger nous dit quelque chose de très important pour notre sujet, à savoir que la vie et la mort sont intrinsèquement liées, comme les deux faces d'un même processus. La mort est en nous dès que nous sommes en vie et elle peut donc survenir à tout instant, que l'on soit enfant, adulte ou très vieux. Or, nous oublions souvent cette réalité. Comme l'écrit Jean-Michel Longuenot à propos de la souffrance que nous éprouvons face à la mort d'un proche, nous avons tendance à penser en termes d'injustice quand un drame survient. Nous nous disons souvent alors « pourquoi lui, pourquoi moi ?» Nous ne méritions pas cela, nous n'avons vraiment pas de chance. Et alors, Jean-Michel Longuenot nous explique dans la lignée de Heidegger que c'est à ce moment que nous devons nous rappeler que la nature ne nous doit rien, même si nous voudrions bien que ce soit autrement. Et que penser en termes d'injustice quand un drame survient est inapproprié et ne change rien à part rajouter de la souffrance. De ce constat de Jean-Michel Longuenot, appuyé par les réflexions d'autres philosophes, il ressort donc bien que l'être humain de tout temps a du mal à accepter la réalité de sa condition humaine. Non, on ne veut pas accepter. Eh bien, ce refus d'accepter le plonge dans une souffrance qui l'affecte en profondeur, qui le met à nu et qui l'oblige à descendre au fond de lui. Et cette souffrance liée à la finitude va s'exprimer par diverses tonalités affectives, des affects, qui vont s'incarner dans des figures philosophiques. Vous allez reconnaître, mais auxquelles on ne pense pas toujours sous cet aspect. Ces cinq figures sont des exemples parmi les plus significatifs de ces affects dont je parle, de cette souffrance, et nous retrouverons, je les ai choisis parce qu'elles sont aussi très présentes en art, et surtout au cœur des vanités. Alors, j'attire votre attention sur le mécanisme très intéressant à l'œuvre dans ces figures, chacune d'entre elles a deux aspects. D'un côté, elles représentent une souffrance liée à un élément de notre finitude que nous n'acceptons pas. Et, d'un autre côté, chacune de ces figures a une dynamique positive avec en elle-même la possibilité de dépasser cette souffrance. Alors, première figure que je vous propose, la figure du tragique. On y est souvent confronté, mais on a du mal à le définir. Eh bien, qu'est-ce que le tragique ? C'est l'impuissance radicale de l'être humain sur les choses essentielles, sur sa vie, sur sa mort. André Comte-Sponville dit ceci dans son livre « Du tragique au matérialisme ». La vie est tragique dans l'exacte mesure où elle échoue à nous satisfaire. Le tragique, c'est le réel lui-même, en tant qu'il n'a que faire de nos espoirs. Ou plutôt, c'est notre vie en tant qu'elle se heurte souvent durement à l'indifférence du réel. Donc pour Comte-Sponville, le tragique est donc dans l'écart entre la réalité de notre condition humaine, ce que j'ai développé sur la partie gauche du tableau, et le désir que cette réalité soit autre. Alors pour ce qui est de l'aspect positif de cette figure du tragique, eh bien elle contient aussi la possibilité de dépasser la souffrance qu'elle génère si nous acceptons
ce qui est hors de notre contrôle, plutôt que de toujours désirer ce qui ne peut pas être. Je vous propose maintenant la figure de l'angoisse qui survient lorsque l'être humain prend conscience de sa finitude, au moment précis où l'être humain prend conscience de sa finitude. Avec Heidegger, dans son ouvrage Étretat, qui écrit « L'angoisse est une disposition fondamentale qui permet à l'homme de prendre conscience de ce qu'il est réellement, à savoir un être jeté vers la mort. L'angoisse est d'autant plus inévitable pour l'homme que, à la différence de la peur, son objet demeure inconnu. » Donc Heidegger distingue bien l'angoisse de la peur. La peur, c'est, on connaît bien, toujours liée à un objet précis. Elle peut disparaître si on supprime cet objet. À la différence de l'angoisse qui, elle, est structurellement liée au mystère de notre finitude. Alors, pour ce qui est de l'aspect positif de l'angoisse, il y en a, hein, au niveau philosophique. Notez le terme utilisé par Heidegger, « permet », qui signifie que l'angoisse nous ouvre aussi la possibilité d'être lucide sur notre condition humaine. C'est parce que nous éprouvons cette angoisse que nous pouvons accéder à une certaine lucidité sur ce que nous sommes, ce que Heidegger appelle avoir une vie plus authentique. Et maintenant, la figure de l'absurde, qui naît de la confrontation entre le désir de sens de l'être humain, donc ce qui est à droite du tableau, et la réalité qui ne dit rien au sujet de ce sens. Avec une phrase d'Albert Camus, cette fois, un des piliers de la théorie de l'absurde dans le mythe de Sisyphe, il écrit « Absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. » Camus souligne ici encore l'écart entre la réalité telle qu'elle est et le désir de l'être humain, qu'elle soit autre, mais cette fois il le fait à propos de la question particulière du sens. Pour ce qui est de l'aspect positif de l'absurde, c'est précisément parce qu'il y a ce silence du monde que s'ouvre pour l'être humain un espace de liberté pour y construire son propre sens. Donc le sens, le monde ne nous donne pas son sens tout fait, il faut y travailler et ça dégage pour Camus un espace de liberté pour que chacun puisse trouver son propre sens. C'est la philosophie de l'existentialisme que vous connaissez bien, qu'on retrouve aussi chez Sartre. Autre figure, la nostalgie, toujours liée à la conscience de la finitude, mais cette fois en tant qu'irréversibilité du temps. Donc vous voyez bien les variations que réalisent ces cinq figures autour du thème de la finitude, chaque fois avec un aspect différent de celle-ci. Vladimir Yankelevitch ici, dans deux magnifiques ouvrages, L'irréversible et la nostalgie, ainsi que quelque part dans l'inachevé. Il écrit « Le temps est littéralement irréversible, c'est-à-dire qu'il est absolument impossible de le renverser. Cet impossible nous laisse donc radicalement impuissants. La nostalgie n'est pas liée à tel ou tel objet précis qui nous fait défaut, mais au fait même du passé. » Donc ce que nous montre Yankelevitch ici, c'est que, avec sa subtilité bien connu, c'est qu'une nostalgie inapaisable née du constat de notre impuissance à agir sur le temps et de la perte irréversible, non pas seulement de tel ou tel souvenir qui nous manque, mais de tout ce qu'on a été et qu'on n'est plus, ce qu'il appelle l'avoir été. Alors pour ce qui est de son aspect positif, la nostalgie contient aussi en elle-même une possibilité de dépassement, car elle est une source de création. Yankelevitch savait de quoi il parlait, car s'il était un philosophe exceptionnel, il était aussi un grand pianiste. Alors, une dernière figure très importante pour les vanités, la mélancolie. Vous avez compris maintenant le mécanisme, lié ici encore à la conscience de la finitude, mais cette fois, avec un autre de ses aspects, cette fois en tant que coupure d'avec l'absolu. C'est la dernière figure que je développe. Il y en a bien d'autres que vous connaissez aussi, qu'on retrouve dans l'art, mais j'ai choisi ces cinq figures parce qu'elles parlent spécialement pour notre sujet. Alors ici, Kierkegaard, philosophe danois, dans son livre « Guérir du désespoir » en 1849, qui écrit « Il vient dans la vie d'un homme un moment où la personnalité veut prendre conscience d'elle-même en sa valeur éternelle. Si cela n'arrive pas,
Le mouvement est arrêté. Alors apparaît la mélancolie. Supprimer cette mélancolie, ce serait pour l'homme se prendre pour Dieu et gommer sa finitude. Donc il vient un temps où l'homme veut prendre conscience de lui-même en ce qu'il aurait une valeur éternelle. Donc, au fond de l'homme, nous dit Kierkegaard, brûle un désir d'éternité et d'absolu. Personne n'a envie de mourir. Et la souffrance mélancolique naît précisément de cette conscience que l'être humain a de son impuissance à être éternel, alors même qu'il aspire à cela. Qu'est-ce que fait le mélancolique? Eh bien, il anticipe sa disparition future, ce qui le met dans un état de tristesse, pouvant aller jusqu'au pathologique avec la dépression. En fait, la mélancolie rappelle à l'homme qu'il n'est pas Dieu et ne peut donc être supprimé. Et en même temps, la mélancolie est vue comme la source par excellence de l'inspiration et du génie. Déjà, vous en souvenez sans doute, Aristote écrivait dans son ouvrage intitulé « L'homme de génie et la mélancolie » que les grands personnages de l'histoire et les artistes sont souvent habités par la mélancolie. Alors, l'épreuve de cette descente en soi dans la souffrance, au travers de ces affects dont je vous ai montré 5 exemples, est une étape nécessaire, on ne peut pas en faire l'économie. C'est très important de comprendre cela. Si l'on veut parvenir à la lucidité et aux bénéfices qu'elle procure, c'est un chemin difficile et il faut accepter de passer par la souffrance. Selon Jean-Michel Lougnaud, quand l'être humain est descendu au fond de lui jusqu'à ce point où il ne peut plus tricher, alors il ne peut reprendre sa vie comme avant et un nouveau rapport éthique à lui-même s'instaure. Nous voyons donc que la métaphysique de la condition humaine débouche maintenant sur une éthique de la condition humaine, donc deuxième partie de l'aspect philosophique. Et ce que nous dit Jean-Michel Lougnaud, c'est que si nous acceptons de passer par cette souffrance qui survient quand on fait le choix d'aller vers la lucidité, eh bien, un nouveau rapport éthique à nous-mêmes va s'instaurer. Nous voici donc maintenant dans l'éthique. Quel est donc ce nouveau rapport éthique à nous-mêmes? Eh bien, il va s'effectuer en deux temps. Première étape, la prise de conscience de notre condition humaine. Et deuxième étape, nous verrons après, la manière d'agir différente qui va en découler. Alors, première étape, prendre conscience de notre condition humaine. Vous me direz, c'est très bien, mais comment y parvenir? Ça ne va pas de soi. En effet, l'état naturel de l'homme est précisément de ne pas vouloir voir. Cela s'appelle le déni, comme le décrit magnifiquement Pascal dans Les Pensées. Il écrit « Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Être assuré qu'après tous les maux de la vie, une mort inévitable nous menace à chaque instant, rien n'est important que cela et on ne néglige que cela. » Alors ce déni peut prendre plusieurs formes. Le plus souvent, il va d'ailleurs se cacher sous la figure du divertissement. Encore avec Pascal, un grand penseur de la finitude, toujours dans Les Pensées, qui écrit. Le malheur naturel de notre condition faible et mortelle est si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. C'est pourquoi nous avons besoin de palliatifs, les apparences, le divertissement. Quand Pascal nous parle de déni et de divertissement, cela n'a rien perdu de son actualité. Dans notre société actuelle, de manière pathologique, on ne veut en effet plus entendre parler de finitude et de mort et on nous propose toutes sortes d'autres choses. En général dans le registre de la futilité, pour détourner notre attention. Toujours par rapport à cette marche vers la lucidité, une deuxième attitude de l'être humain consiste en voir, cette fois, mais ne toujours pas accepter. Ce refus d'accepter peut prendre plusieurs formes. Il peut revêtir la forme de la tristesse, du désespoir, ou encore de la provocation, de la violence ou de la dérision. Donc, je n'ai pas le temps de tout développer et j'ai choisi de parler du mécanisme de la dérision, sachant que derrière toutes ces 5 réactions se cache un refus d'accepter notre condition humaine. Alors, la dérision, avec le philosophe français Éric Blondel, dans son livre « Le risible
est le dérisoire, ce qu'il appelle, écoutez bien, la philosophie du risible ou la métaphysique du dérisoire. Il écrit « Rire, c'est se départir du réel, s'y mêle de la dérision, consistant à se placer hors du monde en le tenant pour méprisable, grotesque. On rit inépuisablement et depuis toujours de la mort, c'est bien sûr pour la narguer ou la défier. Seuls les vivants rient. Mais c'est un memento mori. Pour Blondel, la dérision est une arme de défense contre les choses que nous ne voulons pas accepter. Et, dit-il, lorsqu'on rit de la finitude, c'est pour la mettre à distance par le mépris. On ne veut pas la voir. Mais, ajoute-t-il, en faisant cela, on s'en rappelle précisément. Et c'est donc aussi, paradoxalement, un memento mori. Il existe cependant un autre comportement par rapport à la prise de conscience, une sorte de troisième voie qui est de cette fois voir et accepter, étape nécessaire pour pouvoir ensuite agir en accord avec la réalité telle qu'elle est, non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Mais ce n'est pas n'importe quelle acceptation, il faut bien être clair sur ce point, il s'agit d'accepter sans se résigner, comme l'énonce le stoïcien Sénèque dans son livre « Apprendre à vivre ». Lettre à Lucidus. Lucidus était son élève, un jeune gouverneur de Sicile, à qui il donnait des conseils. Il écrit « Le destin guide celui qui l'accepte. Il traîne celui qui lui résiste. » Quand Sénèque parle d'accepter le destin, il ne faut pas le comprendre comme une passivité résignée. En effet, comme vous le savez, les stoïciens invitent à distinguer ce qui dépend de nous, c'est-à-dire ce que l'on peut changer, et disent-ils d'ailleurs que l'on doit changer, si cela améliore notre vie, si on est malade, on doit faire tout ce qui est possible pour guérir, bien entendu. Mais il faut distinguer cela qui dépend de nous, de ce qui ne dépend pas de nous, ce que l'on nomme aussi le destin, et qu'il faut alors accepter, car résister ne change rien, sauf ajouter de la souffrance. Et donc, voir et accepter notre condition, c'est dans cette lucidité que réside notre dignité d'être humain. Alors après cette première étape de prise de conscience, parvenu à la lucidité sur sa condition, l'être humain va pouvoir, deuxième étape, agir en conséquence. Pour se réapproprier sa vie, rappelez-vous ce que Heidegger disait quand il parlait d'une vie plus authentique. Comment se réapproprie-t-on sa vie ? Comme l'écrit Jean-Michel Longniaux pour conclure son constat, « Celui qui sait qui il est et qui ne cherche pas à le fuir, ne juge plus sa vie à l'aune d'une prétendue toute-puissance qu'il devrait incarner. Il n'exige plus des autres qu'il le libère de sa solitude. Et enfin, il sait que rien ne lui est dû dans la vie, de telle sorte que pour lui, les malheurs ne sont jamais une injustice, de telle sorte qu'il reçoit les moments de bonheur comme une grâce. » J'avais qualifié le constat de Jean-Michel Longniaux de magistral, car il montre très bien comment la souffrance de l'être humain, tiraillée entre désir et réalité, rappelez-vous notre tableau tout à l'heure, peut le conduire à un nouveau regard plus large sur sa manière de se comporter. Donc cette souffrance, il est nécessaire d'en passer par là, elle mène à la lucidité et c'est grâce à cette lucidité que va se construire ce nouveau regard. Et c'est de tout cela dont vont nous parler les vanités, bien entendu. Voilà ce que je voulais vous dire pour la partie éthique de la philosophie. Nous allons maintenant terminer la partie sur l'ancrage philosophique des vanités par quelques mots sur l'esthétique. Alors, le memento mori en tant qu'esthétique de la condition humaine. Pour notre sujet, j'ai retenu trois grandes questions d'esthétique, il y en a bien d'autres. Première question d'esthétique, je vous propose la nature de l'art et le rôle de l'artiste. En ce qui concerne la nature de l'art, il existe beaucoup de définitions car l'art a beaucoup d'aspects. Pour notre sujet, je vous propose la définition de l'art fondée sur l'intuition qui met en lien avec l'invisible, inexprimable par la raison, avec René Huyghe dans son livre « Dialogue avec le visible ». Il écrit « On croit volontiers que l'art a pour fonction de figurer le visible,
du fait que c'est en celui-ci qu'il puise son langage. Peut-être, au contraire, sa fonction essentielle est-elle de figurer l'invisible, cet invisible dont, dès les origines, l'homme a eu le sentiment angoissant en percevant les forces qui le dépassaient. Alors, rappelez-vous tout à l'heure ce que nous disions de l'étonnement fondamental de l'être humain qui se découvre jeté dans un univers qui le dépasse et qui, dès la nuit des temps, tente d'explorer par l'art le mystère de l'invisible. En ce qui concerne le rôle de l'artiste, c'est un médium de l'invisible. L'artiste perçoit l'invisible et surtout, il a la capacité de traduire celui-ci dans une forme sensible, dans une tentative pour saisir en quelque sorte quelque chose qui est insaisissable. Je vous propose Schopenhauer, dans son ouvrage « Le monde comme volonté, comme représentation », qui écrit « L'artiste nous prête ses yeux pour regarder le monde. Posséder une vision particulière, dégager l'essence des choses qui existent, voilà le don inné, propre au génie. » Pour Schopenhauer, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que l'artiste est en quête de l'essentiel. Il dégage l'essence des choses, dit-il. Et le génie, c'est précisément cette conjonction quand l'artiste parvient à trouver une forme optimale pour figurer cet essentiel. Ça, c'est le génie. Si on applique cela aux vanités, on voit qu'elle nous parle de cet invisible et de cet essentiel de notre condition humaine, avec l'artiste qui essaie de saisir l'insaisissable au sens où il tente de représenter quelque chose de difficilement représentable, à savoir l'éphémère. Quant à savoir si le talent de l'artiste est inné, comme le dit Schopenhauer, ou pas, c'est un autre sujet que je n'aborderai pas. Alors après la nature de l'art et le rôle de l'artiste, deuxième question d'esthétique que je vous propose, le langage artistique avec la figure de l'allégorie. Donc nous avons vu qu'une allégorie est une figure de style utilisée pour la représentation concrète, image, texte, d'une notion abstraite afin de la rendre plus explicite. Avec ici Erwin Panofsky, un célèbre historien de l'art, qui l'explique dans son livre « L'œuvre d'art et ses significations ». Il écrit « Par l'allégorie, nous sommes invités, mais pas contraints, à chercher une signification abstraite et générale derrière le spectacle concret et particulier qui enchante nos yeux. Et certaines allégories vont, en plus, recourir à l'archétype. Qu'est-ce qu'un archétype, brièvement ? Eh bien, c'est une figure en lien avec notre inconscient collectif, comme vous le savez tous. Carl Gustav Jung, dans son livre « L'homme et ses symboles », le formule ainsi : « L'archétype est un processus psychique fondateur des cultures humaines qui structure l'inconscient collectif. » Selon Jung, l'archétype est donc issu de l'histoire, notre histoire commune de toute l'humanité depuis les origines, et de ce fait, l'archétype imprègne profondément notre inconscient et nos représentations. Et donc, il est très fort, il a une grande force. Et certaines allégories ont une force archétypale particulière, alors le suspense n'est pas très grand. C'est le cas, évidemment, des vanités, vous voyez mon propos. Rappelez-vous le tableau de Boulle, allégorie des vanités du monde, avec le symbole du crâne et sa couronne de laurier qui triomphe en haut de la composition. Eh bien, ce symbole du crâne et de sa couronne de laurier, c'est une représentation archétypale très forte de l'inéluctable finitude. Enfin, troisième et dernière question d'esthétique, le jugement esthétique, c'est-à-dire la question du beau et du laid. Alors, le jugement esthétique sur les vanités pourra être de nature différente. Si on n'aime pas, et on dira, par exemple, les vanités, c'est laid, ou même, c'est sinistre. On l'entend parfois. Soit on aime, et on dira, par exemple, les vanités, c'est beau. Dans l'un ou l'autre cas, il s'agit d'un jugement subjectif, qui est en lien avec la prise de conscience de notre condition humaine. C'est-à-dire que ce jugement, si vous comprenez bien ce que je veux dire, pourra changer au cours des périodes de l'histoire et aussi en fonction du cheminement intérieur de chaque personne au cours de sa vie. Et alors, on pourra dire, dans certains cas, les vanités, c'est sublime,
le sublime étant alors une nouvelle appréciation au-delà de la dichotomie classique du beau ou du laid. À propos du sublime, je vous propose Daniel Salvador Schiffer avec son livre que je vous recommande, Du beau au sublime dans l'art, qui nous parle de méta-esthétique, en référence à la particularité de l'art de nous mettre, dit-il, en lien avec un autre niveau de réalité au-delà de la dichotomie du beau et du laid. Ainsi, on pourra qualifier les vanités de sublimes car elles sont habitées par un autre niveau de réalité, je vous l'ai démontré, en lien avec notre questionnement philosophique fondamental. Alors, pour clore maintenant cette partie philosophique, en résumé, on peut dire que les vanités rendent sensible notre condition humaine pour nous délivrer un message éthique. Pour faire cela, elles sont en lien avec la métaphysique et transposent le questionnement fondamental. En ce qui concerne leur but principal, leur message éthique, les vanités nous invitent à la lucidité sur nous-mêmes, c'est-à-dire à sortir du déni, à prendre conscience de notre condition humaine, à l'accepter pour agir en questionnant nos priorités. C'est le but de ce message éthique des vanités. Et pour nous transmettre ce message, leur esthétique utilise le langage des allégories qui nous met en lien avec l'invisible. Voilà, j'espère que je vous ai bien fait un lien clair entre tous ces éléments. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la conférence et nous allons voir tout cela, bien entendu, au travers des œuvres. Et je vais prendre un petit verre d'eau. Alors, je ne vous laisse pas beaucoup souffler parce que nous avons beaucoup d'œuvres d'art. Je crois que vous apprécierez que je vous les montre toutes, sachant que j'en ai déjà supprimé au moins 200 ou 300 qui étaient candidates, donc il en reste quelques-unes. Donc, je vais tout de suite faire le voyage au travers les œuvres. Alors, les vanités, nous avons vu, traversent les arts et les époques. En effet, on en trouve dans presque tous les arts. Alors, j'ai choisi pour vous des œuvres dans différents arts et pas seulement dans les arts plastiques où on les connaît principalement. Elles, on les trouve aussi à toutes les époques, depuis les origines jusqu'à nos jours, dans des contextes religieux ou non religieux. Elles sont partout. Et nous allons parcourir l'évolution des vanités et de leur message au cours du temps, parce que leur message va évoluer, vous allez le voir. Et ce, dès les sociétés primitives. Dans ce contexte, qui est en général un contexte animiste ou polythéiste, eh bien, les êtres humains craignent les forces de la nature derrière lesquelles ils voient les puissances surnaturelles. Nous l'avons vu en philosophie. À cette époque, on trouve déjà des traces d'un même intomori. Alors, on ne dira pas que c'est une vanité, ce serait un raccourci. C'est plutôt un ancêtre des vanités. On trouve déjà cette préoccupation en lien avec l'étonnement fondamental. Ici, je vous propose la reproduction d'une sculpture traditionnelle illustrant la légende amérindienne de l'oiseau sur l'épaule, oiseau considéré comme le messager des dieux. Marie de Henzel, vous avez peut-être lu son livre « Mourir les yeux ouverts », bien Marie de Henzel, dans son livre, rappelle cette légende de l'oiseau sur l'épaule. Alors, que dit cette légende? Elle dit « Tout humain marche dans la vie avec un oiseau sur l'épaule. Chaque matin, l'oiseau murmure à l'oreille de l'homme « Tu es mortel. Et si c'était pour aujourd'hui, es-tu prêt ?» Alors, dans cette légende et l'œuvre qui s'en inspire, se trouve déjà à la fois, voyez, une préoccupation et un avertissement. Qu'est-ce que c'est qu'être prêt? Alors, il n'y a pas encore de détails, mais en tout cas, l'oiseau nous dit que c'est se comporter en gardant à l'esprit que notre vie peut s'arrêter à tout moment. Rappelez-vous Heidegger. Nous voyons donc ici un même intomori, déjà explicite, mais pas encore assez élaboré, bien sûr, pour qu'on puisse parler de vanité. Et c'est dans un contexte particulier d'une sagesse ancestrale à la fois individuelle et collective. Nous passons à l'Antiquité gréco-romaine. On va trouver des mêmes intomori déjà plus élaborés avec des allégories-objets diversifiées, crânes, squelettes et aussi le papillon, symbole païen de l'âme et d'un au-delà.
Le contexte des œuvres que je vais vous montrer, c'est celui de deux périodes de développement politique et artistique en Grèce, l'époque hellénistique, 3e siècle avant Jésus-Christ, et pour Rome, le début de l'Empire à partir à peu près du 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, la vanité investit la salle de banquet avec un premier type de message. Pour la Grèce, je vous montre une mosaïque avec un squelette tenant une coupe près d'une jarre de vin et d'un pain avec l'inscription « Soyez joyeux et profitez de votre vie ». Pour Rome, un gobelet en argent sculpté avec des squelettes. Dans les deux cas, ces œuvres nous parlent de la vie éphémère en lien avec l'épicurisme du 3e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, invitant à apprécier la vie car elle est courte, ce qui sera en résonance plus tard avec le Carpe Diem d'Horace à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors cette invitation au plaisir est bien sûr à comprendre dans l'esprit de modération de la philosophie de l'épicurisme qui vise les plaisirs naturels et raisonnables et non pas au sens contemporain d'hédonisme qui vise à maximiser tous les plaisirs, quels qu'ils soient. Donc premier type de message des vanités en lien avec l'épicurisme gréco-romain. On voit tout de suite que ce discours, qui se limite à recommander de profiter du temps qui nous est donné, ne va pas permettre aux gens des vanités de s'épanouir dans une méditation sur la condition humaine. Toujours en Grèce et à Rome, cette fois déjà sur un autre registre, la vanité s'approprie le récit mythologique. Pour la Grèce, un médaillon avec le symbole du papillon. L'image du médaillon que vous voyez est extraite d'un livre, donc je l'ai laissée à gauche, elle a été retravaillée à droite pour mieux vous la montrer. Alors, on voit Hermès, messager des dieux, qui conduit les défunts jusqu'à Charon, le passeur du Styx, qui les emmènera dans un au-delà, au royaume des morts. Notez sur l'épaule d'Hermès la présence d'un papillon, symbole de l'âme. Alors, pour Rome, une mosaïque de table, également avec le papillon. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors on voit la roue du destin, attribut de la déesse grecque Némésis, qui est celle qui châtie les coupables de démesure, Libris, et qui distribue les richesses durant la vie entre le roi, voyez l'étoffe pourpre et le sceptre, et le mendiant, vous reconnaissez le bâton et la besace des vagabonds. Un crâne qui pend à une équerre, idée que la mort égalise tout et concernera le roi comme le mendiant. Et le crâne est associé à un papillon, symbole à la fois de l'éphémère et de la métamorphose vers une autre réalité. Ici, dans ces deux œuvres, nous voyons émerger un message différent du simple épicurisme dans le contexte d'une sagesse antique en lien avec l'au-delà raconté dans un récit mythologique qui va marquer l'imaginaire collectif. Alors nous voici maintenant à la fin du Moyen-Âge, au 14e-15e siècle, une période qui va être favorable au développement des vanités. Alors pourquoi sauter directement, vous direz-vous, de l'époque gréco-romaine au XIVe siècle? Eh bien, il faut se rappeler qu'au début du Moyen-Âge, vers le Ve siècle, l'Église catholique est très présente et la question de la mort est prise en charge avec un message rassurant. La mort n'est pas une fin puisqu'il y a la perspective de la vie éternelle. C'est le règne alors de l'art religieux dont le but principal est de louer Dieu. Et on ne parle pas encore de vanité en art. Cela va changer au XIe siècle, dans un contexte de dramatisation de la mort, avec les guerres, les épidémies que l'on prend pour une punition de Dieu, et aussi la religion qui va avoir une situation qui va devenir difficile avec certaines hérésies, on pense aux hérésies cathares, et elle a besoin, l'Église, de réasseoir son autorité. Et alors, le texte de l'Ecclésiaste va redevenir une référence dans l'interprétation austère faite par saint Augustin au IVe siècle avec la réapparition du thème de la vanité des biens terrestres et la recommandation de se tourner plutôt vers Dieu. Donc, après l'épicurisme et après le lien avec la mythologie gréco-romane, les vanités vont délivrer un message religieux catholique. Alors, j'ai pris deux exemples. Ainsi, la vanité catholique s'affiche dans le livre liturgique. Ici, une magnifique enluminure gothique du XVe siècle, la légende des trois morts et des trois vifs, tirée de ce qu'on appelle un livre des heures. Un livre très important au Moyen-Âge, car il permettait aux fidèles de suivre les prières heure par heure. Cette œuvre, vous voyez, est construite dans une belle symétrie. Sur la page de gauche,
Trois jeunes et riches cavaliers qui profitent de l'existence, ils chassent au faucon, sans se douter qu'ils sont déjà en route vers leur futur état. En effet, sur la page de droite, trois squelettes se dressent sur leur chemin. Trois, comme si chaque cavalier avait déjà son correspondant dans l'au-delà. Et les squelettes lancent leur avertissement. Nous avons été ce que vous êtes, vous serez après comme nous. Alors ici, nous sommes dans le cadre de la théologie du salut, un message de morale religieuse catholique mettant en lien trois choses, le caractère éphémère de la vie, la vanité des biens terrestres et la nécessité de se tourner vers Dieu. Autre exemple de la vanité catholique qui va emprunter aussi la figure des saints. Le saint, c'est évidemment le modèle idéal du renoncement au monde pour se consacrer à la prière. Ici, un tableau de 1520, Saint Jérôme, attribué à Quentin Metzi, un anversois, un des derniers primitifs flamands, ou à son entourage, on ne sait pas très bien. On voit Jérôme, érudit, auteur de la Vulgate, traduction de la Bible grecque en latin. Il est à son pupitre d'étude avec les livres des Saintes Écritures. À gauche, un crucifix qui symbolise l'espérance du chrétien dans l'au-delà. Alors Jérôme, il a un regard pensif, le doigt appuyé sur un crâne. On voit une bougie consumée, un sablier. Comme vous le savez maintenant, ces deux objets représentent la vie éphémère et le temps qui passe. On voit aussi une scène du monde extérieur, au fond, auquel, évidemment, Jérôme a renoncé pour méditer et prier. Avec le phylactère sur le mur, cogita mori, pense que tu vas mourir. Donc, comme dans l'enluminure qui précédait, nous sommes toujours ici dans la théologie du salut, cette fois via la figure des saints, avec un message toujours de morale religieuse mettant en lien le caractère éphémère de la vie, la nécessité de s'éloigner du monde pour méditer et prier. Donc si on résume le discours des vanités au Moyen-Âge, on constate que c'est donc surtout un message d'acceptation chrétienne de la finitude. Alors nous arrivons ainsi à la Renaissance, mi-15e, 16e. L'humanisme va modifier le discours des vanités en s'éloignant du message directement religieux au profit d'une place plus centrale accordée à l'être humain. Alors attention, je ne dis pas que le message religieux va disparaître immédiatement, mais il va devenir plus indirect. Contexte, un renouveau dans le savoir et les arts, la multiplication des voyages lointains liés au commerce et aussi la réforme de l'Église avec l'arrivée de Luther et du protestantisme. Alors, première étape, une vanité catholique qui va intégrer le verso du portrait. Un exemple avec le portrait de James Lois Tissier de Barthelbrunn, un peintre catholique de la Renaissance allemande en 1524. Alors regardons d'abord le recto du tableau, portrait d'une jeune femme bien identifiée, Jane Lois Tissier, avec un détail cependant intrigant, la jeune femme tient délicatement une fleur qui semble très fragile. Alors on sent ici comme un sens caché, mais sans autre indication, est-ce que c'est un simple élément décoratif? Est-ce que c'est une allégorie de la fragilité de l'existence? Eh bien, effectivement, il y a un sens caché et celui-ci figure au verso du tableau. Que l'on voit ici, c'est bien une vanité avec un crâne et la mouche que vous voyez dessus, symbole de la décomposition de la matière. La bougie consumée que nous connaissons, symbole du caractère éphémère de la vie. Et le phylactère en latin, toujours là, avec cette fois une phrase de Lucrèce, « Tout se décompose avec la mort, dernière frontière des choses. » Donc nous voyons ici un net progrès du discours de la vanité dans un contexte humaniste catholique avec un message plus individualisé qui intègre le portrait d'une personne bien identifiée par rapport au personnage de l'enluminure que j'avais montré qui ne représentait pas des personnes en particulier. Alors, un progrès, donc message plus individualisé, même si la clarté de ce message des vanités reste encore cachée au verso du tableau. Alors, autre progrès, la vanité va intégrer maintenant le recto du tableau, comme ici, en 1533, dans une scène de genre, avec les ambassadeurs, un chef-d'œuvre de Hans Holbein le Jeune, peintre et graveur protestant allemand. On voit deux hommes jeune et puissant, à gauche, Jean de Dindeville,
ambassadeur de France en Angleterre, commanditaire du tableau, qui montre sa richesse et sa position sociale. À droite, son ami Georges de Salve, évêque ambassadeur au Saint-Siège. Sur des étagères, des objets, parmi lesquels un globe céleste, un globe terrestre, des livres et des instruments de musique, et sur un tapis au motif géométrique, une drôle de chose que l'on ne reconnaît pas à première vue. Eh bien, cette chose va s'avérer être un crâne anamorphosé. Vous voyez à droite l'anamorphose redressée. Et c'est cette anamorphose qui va donner tout son sens au tableau. La mort est bien là, même si on ne la voyait pas distinctement. Et les richesses, le pouvoir, le savoir, le divertissement deviennent à ce moment des biens précaires et illusoires. Alors, deux remarques. D'une part, le contexte protestant de la Renaissance qui amorce le déclin des images religieuses, comme le montre ce crucifix que vous n'aviez peut-être pas vu et qui est caché dans le coin gauche du tableau, si vous regardez bien. D'autre part, une progression du discours des vanités, avec la vanité qui intègre non plus le verso du tableau, mais le recto du tableau. Ici, donc, toujours un portrait. Même si, ici encore, il n'y a pas encore de confrontation directe, puisque le peintre passe par le détour de l'anamorphose. La confrontation directe va bientôt arriver avec le développement de l'humanisme. On ne va pas y échapper. Alors, la vanité va se proposer cette fois comme sujet à part entière de l'œuvre, avec dans cet exemple un passage par la littérature, avec les Essais de Montaigne, fin du XVIe siècle, dans la partie intitulée « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Il écrit « Ils vont ». Ils viennent, ils trottent, ils dansent. De mort, nulle nouvelle. Tout cela est beau, mais quand elle arrive, ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant à découvert, quel tourment, quel cri, quelle rage et quel désespoir les accable. Il faut y pourvoir de meilleures heures. Si c'était ennemi qui se put éviter, je conseillerais d'emprunter les armes de la couardise. Mais puisqu'il ne se peut, apprenons à le soutenir de pied ferme. Et pour commencer, à lui ôter son plus grand avantage. Prenons voie toute contraire à la commune, ôtons-lui l'étrangeté. Pratiquons-le, accoutumons-le. » On voit donc ici l'humanisme dans son exigence de lucidité. On regarde maintenant la vie et la mort sans détour. Bien que catholique, dans ses essais, Montaigne pense la finitude par la seule raison, indépendamment d'un fondement théologique. Dans ce passage, Montaigne fait d'abord une critique du déni et du divertissement, ainsi que le fera Pascal un peu plus tard, comme je vous l'ai montré dans la partie philosophique. À la place du déni, il conseille plutôt d'apprendre à vivre avec la mort. Philosopher, le titre de son chapitre, c'est « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Pour Montaigne, en effet, c'est la peur de la mort qui fait souffrir et qu'il faut maîtriser, plus que la mort elle-même, car la mort, on ne la connaît évidemment jamais. Soit on est vivant et on ne peut pas expérimenter la mort, et soit on est mort et alors on n'est plus là pour la connaître. Donc, on retiendra chez Montaigne un discours humaniste, prônant la lucidité pour en dégager une sagesse de vie. Alors, un autre exemple, la vanité se propose comme sujet à part entière de l'œuvre, cette fois dans le théâtre avec Shakespeare et le monologue de Jacques le Mélancolique dans la pièce « Comme il vous plaira » avec l'allégorie des sept âges de la vie. Il écrit « Le monde entier est un théâtre et tous les hommes et les femmes ne sont que les acteurs. Tous ont leurs entrées et leurs sorties. Et chacun à son tour y joue les différents rôles d'un drame en sept âges. C'est d'abord le nourrisson, vagissant et bavant dans les bras de sa nourrice. » Alors, je vous passe le détail des cinq autres âges. On n'a pas le temps de rentrer en détail, mais ils sont tous sur le même registre pour arriver au dernier. La scène finale, qui termine ce drame historique, étrange et accidenté, est une seconde enfance, état de pur oubli. Alors, comme chez Montaigne, on voit ici l'humanisme et son exigence de lucidité. On regarde, ici encore, la vie et la mort sans détour. Mais voyez
À la différence de Montaigne, chez qui la lucidité débouche sur une sagesse de vie avec la vie et la liberté qui l'emportent, eh bien chez Shakespeare, cette même lucidité débouche sur une vision de la vie comme une tragédie, dans un univers sombre et déterministe où l'être humain, à la fin de son existence, retombe inéluctablement en enfance avec la métaphore de la vie comme une pièce de théâtre où les hommes ne sont que des acteurs impuissants. Et concernant cette vision tragique de Shakespeare, rappelons-nous aussi la phrase de Hamlet, que vous connaissez tous, bien sûr, avec le célèbre monologue « Être ou ne pas être », c'est là la question, et surtout celle de Macbeth. « La vie est une histoire de fou racontée par un idiot et qui ne signifie rien. » Vous voyez deux approches opposées dans cette étape de la lucidité. Nous voici au XVIIe siècle et les vanités vont devenir un genre autonome au travers de la nature morte dans le contexte calviniste de la République des Provinces-Unies. Alors pour rappel, République formée par les sept provinces calvinistes du nord des Pays-Bas de l'époque et donc excluant les provinces sud de la région, dont la future Belgique qui reste catholique. La vanité va investir la nature morte et devenir un genre autonome. À l'époque, le calvinisme, il faut se rappeler, rejette l'idolâtrie des images religieuses et voit la présence de Dieu dans les choses de la vie quotidienne. Et la nature morte est là pour magnifier ses beautés créées par Dieu. Et c'est précisément dans la nature morte que la vanité va peu à peu s'immiscer pour en renverser le message. La beauté des objets va devenir la vanité des objets. Alors j'ai choisi trois tableaux qui résument cette évolution. Au début du processus, vous voyez, une simple nature morte, Van der Haast, en 1620, montrant l'intérieur des maisons des riches marchands avec des biens rares qu'ils rapportaient de leur voyage lointain. Alors ce tableau s'intitule « Nature morte à la corbeille de fruits et aux coquillages ». Dans un deuxième temps, la vanité va s'introduire dans la nature morte, d'abord timidement, comme ici dans le tableau de Dehaene, en 1643, le pot d'étain. Alors, ça ressemble à une nature morte, mais il y a deux détails qui intriguent. Le pot d'étain, qui donne son titre au tableau, est renversé au bord de la table, en déséquilibre, au bord du vide, avec un citron pelé en spirale qui tombe lui aussi. Ce citron pelé en spirale, eh bien, c'est le symbole d'abandon de l'enveloppe corporelle pour accéder à l'essence spirituelle. On le trouve dans des tableaux de cette époque. Et alors, on voit bien ici l'émergence de la vanité dans la nature morte. Et alors, dans un troisième temps, la vanité s'empare de la nature morte et devient un genre à part entière avec la codification d'un répertoire d'objets symboles organisés autour du crâne, comme dans ce tableau de Cosmans, vers 1650, intitulé clairement « Vanitas ». Alors, ces trois tableaux, je signale, se trouvent au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, chez M. Draguet, et je ne peux que vous encourager vivement à aller les admirer sur place. Au fil du temps, les vanités nature morte classiques vont évoluer jusqu'au point où le genre va s'épuiser, comme dans le tableau que nous allons voir maintenant. Et en se complexifiant, la vanité nature morte va atteindre son apogée puis aller vers sa fin. Ainsi, ce tableau de David Bailly, peintre de l'école hollandaise de Leyde, ville universitaire protestante, intitulé « Vanité nature morte » avec autoportrait du peintre en 1651. Alors, faute de temps, je ne vais pas commenter ce tableau en détail, il est complexe. Je vous le montre parce qu'il est caractéristique de l'évolution de la vanité nature morte. D'une part, on voit bien ici la codification d'objets symboles qui va faire de la vanité un genre autonome. Rappelez-vous aussi le tableau que je vous ai montré au début, le tableau de boules. Donc, parmi ces objets symboles dont on fait le recensement, eh bien, il y a ici la bulle de savon que nous n'avions pas encore vue, qui symbolise au ciel la fragilité de la vie. Le rideau, rappelez-vous, Shakespeare et la vie comme une pièce de théâtre, et toujours l'influence de l'Ecclésiaste, avec le phylactère suspendu dans le vide, avec la phrase « Vanité des vanités, tout est vanité ». Alors, deuxième aspect de ce tableau, pour lequel je vous le montre rapidement, à part cet aspect codification des objets symboles, eh bien, on voit ici qu'il y a une complexification de la vanité nature morte qui va, même si ici ça va donner des œuvres magnifiques comme ici, qui va à terme conduire ce genre à une impasse. Et avec tout ça, le XVIIIe siècle va arriver, les vanités disparaissent quasiment, sauf dans quelques cabinets de curiosité, sortes d'ancêtres de nos musées, où des personnes cultivées rassemblent des objets rares
au carrefour de l'art et de la science. Il faut dire que nous sommes dans le contexte du siècle des Lumières où la raison prend les commandes. Alors les vanités vont cependant rester dans l'imaginaire artistique pour revenir plus tard. Et ce plus tard, eh bien, ça va être avec l'art moderne. Au XIXe et XXe siècle, les vanités vont réapparaître d'une autre manière et les allégories objets traditionnels vont être réinterprétées. Alors, quel est le contexte? En dépit des Lumières, l'attrait du mystère est resté présent, mouvement romantisme, mouvement du symbolisme. Des tragédies d'ampleur mondiale surviennent, qui mettent évidemment la mort au premier plan. Et surtout, gros changement, l'homme ne se pense plus à partir de Dieu, mais à partir de lui-même. Cela fait une grande différence. D'autant que Nietzsche a écrit en 1883 « Dieu est mort » dans « Ainsi parlait Zarathoustra ». Alors, si on fait un petit peu le point de l'évolution du message des vanités, dans un contexte de recul du message religieux traditionnel et de la progression de la science à l'époque moderne, le discours des vanités va maintenant nous présenter un être humain lucide sur sa finitude, ça c'est un acquis de la Renaissance, et qui sera peu à peu gagné par l'angoisse mélancolique. Donc après l'épicurisme de l'Antiquité, le message religieux du Moyen-Âge, le message humaniste de la Renaissance, les vanités vont maintenant faire écho au questionnement spirituel moderne. Ainsi, la vanité nous propose une confrontation encore plus directe, comme on le voit dans ce tableau d'Antoine Wiertz de 1847, intitulé de manière énigmatique « La belle Rosine, les deux jeunes filles », qui se trouve au musée Wiertz, qui fait partie des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, chez M. Draguet. Dans une atmosphère sombre, on voit une jeune fille épanouie, encore à l'aube de sa vie, qui regarde un squelette droit dans les yeux, avec un air à la fois assuré et mélancolique. Et si on examine le squelette, on voit une plaque discrète sur son crâne avec un nom, Rosine. Et on comprend mieux maintenant le sous-titre du tableau, La belle Rosine, les deux jeunes filles, qui indique qu'il n'y a qu'une Rosine sous les deux formes, le squelette représentant le devenir incontournable de la jeune fille. Ce tableau nous montre donc entre autres la beauté éphémère et la mort inéluctable. Donc si on regarde la progression du discours de la vanité, par exemple par rapport au tableau de Barthelbrunn que je vous ai montré, on voit que la finitude qui se cachait au dos des portraits s'affiche à présent directement au cœur du tableau et en face à face. Maintenant, la littérature avec une vanité qui dénonce le désir de toute puissance en prise avec la finitude avec Honoré de Balzac et son roman La peau de chagrin en 1831. Le jeune marquis de Raphaël de Valentin a perdu son dernier sou au jeu et il veut se suicider. Il rencontre un antiquaire qui lui propose une peau de chagrin, une peau qui exauce les désirs de son propriétaire tout en rétrécissant au fil de ceci. Et l'antiquaire lui dit « Je vais vous révéler en peu de mots un grand mystère de la vie humaine. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Ceci, dit-il d'une voix éclatante en montrant la peau de chagrin, est le pouvoir et le vouloir réunis. Le cercle de vos jours, figuré par cette peau, se resserrera suivant la force et le nombre de vos souhaits. Au diable la mort, s'écria Raphaël en brandissant la peau, je veux vivre maintenant, je suis riche, rien ne me résistera. Raphaël voudra accumuler les richesses matérielles liées uniquement aux apparences sociales, donc il va s'acheter des hôtels de maître, il va faire des réceptions somptueuses et la taille de la peau, comme annoncé, va rétrécir inexorablement et Raphaël va prendre rapidement les traits d'un vieillard et mourir. Alors ce roman nous parle donc de la vanité, de certains comportements et du sens à donner à sa vie. Et Balzac le fait via une métaphore, celle d'une peau de chagrin qui souligne le vide d'une vie tout entière consacrée à assouvir le désir de toute puissance. La vanité qui emprunte la métaphore poétique, cette fois pour parler de la mélancolie, avec Charles Baudelaire dans L'Horloge, un poème qui se trouve dans Spleen et Idéal, partie du recueil Les fleurs du mal en 1857, avec la mécanique de l'horloge qui exprime le temps qui passe inexorablement et nous est compté. Le poème fait 24 vers qui symbolisent les 24 heures de la journée. Il écrit. Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit, souviens-toi, les vibrantes douleurs dont ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Les minutes, mortels folâtres, sont des gangues qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or.
Alors, on voit bien ici les deux aspects de la mélancolie dont nous avions parlé dans la partie philosophique. D'un côté, le spleen, comme souffrance mélancolique liée à la finitude de l'existence. Et d'un autre côté, le spleen, comme source de création artistique avec deux belles métaphores. Le doigt menaçant des aiguilles de l'horloge transformées en memento mori, souviens-toi. Et les gangues remplies d'or pour figurer combien chaque minute est précieuse. La vanité va aussi explorer le tragique via l'opéra, art par excellence de la tragédie, avec un extrait de Faust de Gounod de 1859, tiré d'un conte populaire allemand du XVIe siècle, repris par Goethe en 1808. Nous sommes au XVIe siècle, le docteur Faust, alchimiste, rêve de percer les mystères de l'existence. Arrivé au terme de sa vie passée étudiée, sa science reste cependant toujours aussi limitée et il est désemparé. Seul dans son cabinet, il referme le livre ouvert sur ses genoux et entame son fameux monologue. J'interroge en mon ardente veille la nature et le créateur. Pas une voix ne glisse à mon oreille, un mot consolateur. J'ai langui triste et solitaire, j'ai langui triste et solitaire. Alors, on voit le désir de toute puissance confronté à la finitude de la connaissance. Rappelez-vous, en philosophie, quand je vous avais parlé de Kant, l'homme ne peut pas connaître la véritable nature de ce qui existe. La chose en soi restera toujours inconnaissable. Alors, la vanité emprunte aussi l'illusion d'optique. Je vous propose une gravure d'un Américain, Charles Alan Gilbert, de 1892. Si vous vous rappelez le tableau « Les ambassadeurs » de Holbein, qui contenait un procédé visuel, une anamorphose, par laquelle le crâne n'était pas visible directement, mais seulement dans un second temps. Eh bien ici, par comparaison, Gilbert recourt à un autre procédé visuel, qui est l'illusion d'optique, par lequel on voit non plus en deux temps, mais simultanément deux choses. Une femme assise à sa coiffeuse, se regardant dans le miroir, concentrée sur son apparence, et un crâne que la femme ne voit pas ou ne veut pas voir et qui englobe toute la scène. Vous voyez ici le chignon de la femme et son reflet qui composent les deux orbites du crâne, le reflet de la flamme de la bougie qui forme le creux du nez du crâne, les flacons censés entretenir la beauté et qui constituent les dents de la mâchoire et la nappe de la coiffeuse qui forme le menton. Une magnifique vanité, récit allégorique sur la beauté éphémère, la vanité des apparences et l'inéluctabilité de la mort. All is vanity, c'est le titre de la gravure. L'esprit de l'Ecclésiaste, comme vous le voyez, n'est jamais très loin. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc, ce n'était pas exagéré quand je vous parlais de la portée de ce texte chez les philosophes et dans l'histoire de l'art. La vanité nous entraîne aussi dans l'angoisse existentielle avec le cri, ce beau tableau expressionniste d'Edouard Munch en 1893, avec un langage pictural qui exprime parfaitement l'angoisse. Voyez le visage déformé, pétrifié, pas encore un crâne, mais déjà plus un véritable visage, des yeux exorbités, la bouche béante avec ce cri terrifiant qui semble s'étendre à tout le paysage. Un chef-d'œuvre sur l'angoisse. Rappelez-vous Heidegger qui nous disait que l'angoisse naît quand l'individu prend conscience de sa finitude.
Ce tableau de Munch est d'ailleurs souvent cité en tant qu'allégorie de l'angoisse. Alors, la vanité pose aussi la question de l'acceptation dans le septième saut d'Ingmar Bergman en 1957. Nous sommes au XIVe siècle. Un chevalier revient en Suède après les croisades. Traversant le pays ravagé par la peste, il se lie à une famille de baladins et sur une plage, la mort vient à sa rencontre. Il la provoque dans une partie d'échecs afin de retarder l'échéance. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja, jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag det matt, friar du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Inte sant? Donc on voit ici le thème de la mort inéluctable, la non-acceptation évidemment du chevalier qui provoque la mort aux échecs, le jeu d'échecs comme métaphore de la vie, la mort et la vie étant intrinsèquement liées comme les blancs et les noirs. Seul un couple de baladins pourra continuer encore un peu le voyage car eux, ils acceptent ce qu'ils ne peuvent changer, rappelez-vous la phrase du stoïcien Sénèque. Pour terminer, l'art moderne, la vanité nous confronte maintenant au difficile chemin vers l'acceptation avec Ionesco et sa pièce de théâtre « Le roi se meurt », Michel Bouquet et son épouse Juliette Carré, également comédienne, grandiose. Au royaume du roi Béranger Ier, qui est âgé, tout tombe en ruine. Marguerite, première épouse du roi, ainsi que le médecin de la cour, lui annonce qu'il va mourir, ce que le roi ne peut accepter. Marie, seconde épouse, plus jeune et attachée au faste de la cour, le soutient dans son déni. Et le roi entre alors dans un long cheminement jusqu'à ce qu'il accepte la réalité inéluctable. Sire, on doit vous annoncer que vous allez mourir. Hélas, oui, majesté. Encore? Vous m'ennuyez, je mourrai, oui, je mourrai. Quand je voudrai, quand j'aurai le temps, quand je le déciderai. En attendant, occupons-nous des affaires du royaume. Je n'ai pas eu le temps. Il remet cela. Et tout le temps la même chose. Cela va plutôt mieux. Il se plaint, il s'exprime, il proteste. Cela veut dire qu'il commence à se résigner. Mais ça ne résignerait jamais. Puisqu'il dit qu'il ne le veut pas, c'est un signe qu'il va se résigner. Dis-moi ta vie, comment vis-tu? Je vis mal, Seigneur. On ne peut pas vivre mal, c'est une contradiction. Bon, la vie n'est pas belle. Oh, oh, elle est la vie. Il n'est pas encore habitué à l'épouvante, non. Non, mais il peut la regarder dedans, c'est pour cela qu'il ose fermer les yeux. Il les rouvrira. Il mourra de sa mort, et non plus de sa peur. Il s'imagine qu'il est tout. Il croit que son être est tout l'être. Il faut lui faire sortir cela de la tête. Le grain de sel qui fond dans l'eau ne disparaît pas puisqu'il rend l'eau salée. Voici la passerelle. Ne crains pas le vertige, tiens-toi tout droit. Ne te baisse pas, surtout ne tombe pas. Tourne-toi vers moi, regarde à travers moi, regarde ce miroir sans image. Reste droit, tu peux prendre place. Musique, Mendelssohn, symphonie numéro 5, premier mouvement, Andante.
Dans cette pièce, Ionesco nous parle de la finitude. Les rois comme les mendiants sont concernés, tous dans le même bateau. Si vous vous rappelez la mosaïque romaine avec la roue du destin et l'équerre qui égalise tout posé au-dessus du crâne. Cette pièce de théâtre nous parle aussi de l'acceptation, de la mort qui rend la vie plus précieuse, avec la jeune servante qui trouve, elle, que la vie n'est pas belle. Donc c'est une très belle vanité théâtrale. Eh bien, nous arrivons à l'art contemporain. Je vois que le temps passe. Nous avons le temps pour ce que je veux vous présenter. Donc nous sommes au 20e et 21e siècle et on constate une explosion du nombre de vanités avec des allégories-objets traditionnels, le crâne et le squelette, qui vont être réinterprétés, par exemple, dans la dérision et la provocation, et encore plus interpellante pour ce qui est du contexte, c'est le matérialisme et l'individualisme de notre époque. L'être humain ne sait plus très bien quoi faire de la mort, il en fait même un tabou social. Son désir de toute puissance veut tout maîtriser jusqu'à prôner la mort de la mort. Et l'explosion, à mon sens, du nombre de vanités que l'on constate à notre époque est en lien avec ce déni collectif de la mort. La mort que l'on jette par la porte revient en force par la fenêtre de l'art. Alors au niveau du type de discours des vanités, il est loin le message religieux chrétien qui prenait en charge la finitude et promettait une vie après la mort. Et on va assister à une multitude de visions individuelles d'artistes. Tout d'abord, dans un registre tragique sur fond de vie spirituelle, puis au fil du temps, vous allez voir avec des artistes ouvrant des pistes d'une spiritualité plus large. Alors tout d'abord, une vanité qui nous parle du déni par la dérision par laquelle l'être humain pense tenir la mort à distance, rappelez-vous le philosophe Blondel. Ici, une œuvre de Nicolai Rubinstein de 2006, un crâne humain qui revêt les traits de Mickey Mouse pour faire un pied de nez à la mort. Et en même temps, Rubinstein fait « Mickey Fucky is also a rat ». Mickey Mouse, notre idole anthropomorphique que l'on croyait immortel, est aussi un rat habité par la mort. Donc la dérision a ses limites, rira bien qui rira le dernier, car comme le dit le squelette qui fait un doigt d'honneur pour nous rappeler qu'il aura le dernier mot, eh bien, ainsi est éteinte toute aspiration à l'immortalité. La vanité nous parle encore du déni, cette fois-ci par la provocation avec Damien Hirst et son Diamond Skull, que vous connaissez. Un crâne, symbole de notre finitude, transformé en objet d'art précieux par incrustation de diamants, symbole de toute puissance et d'éternité. Questionnant les rapports art et argent, tant notre fascination pour les richesses que les pratiques marchandes du monde de l'art. Et en même temps, Hirst réalise la même année The Fear of Death, la peur de la mort, sculpture avec des mouches collées, rappelez-vous, le symbole de la mouche dans le portrait de Jane Loyce-Tissier. Comme l'admet Hirst, au-delà des provocations, c'est bien le sujet de la finitude qui habite toute son œuvre. Et Éric Blondel avait décidément bien vu lorsqu'il disait que se moquer de la mort par la dérision ou la provocation, c'est toujours en même temps un memento mori. La vanité nous met devant le spectacle du néant avec Jean-Michel Alberola en 2011 et ce tube lumineux qui dessine un crâne et le mot rien, le tout qui disparaît quand on l'éteint. Le journaliste Florent Founès écrivait à propos de cette œuvre d'Alberola. Le deuil sied à notre siècle. La représentation de la mort ne cherche plus à exorciser ou conjurer. Elle se galvaude, ironise et se moque ou provoque. Et, blessure hurlante, tranchant à vivre dans la pénombre, scintille cette enseigne lumineuse formée des lettres, rien, où tout est dit. Cette vanité-là, tout en dérision, n'a cure d'esthétisme. Une publicité au néon, dédiée au néant. La mort, qui était résurrection, cette mort apprivoisée, semble désormais avoir égaré son billet d'entrée pour l'éternité, mais a conservé tout son prix à l'étal du marché planétaire. Donc cette œuvre nous fait toucher le fond du vide spirituel de notre époque. Notre société de désir immédiat et de consommation ne sait plus quoi faire de la mort, sauf à en faire une marchandise. Alors voilà, heureusement, après ce point d'impasse, nous allons voir encore trois œuvres, des œuvres d'artistes plus récents qui vont ouvrir d'autres voies. Ainsi, la musique de variété, avec Françoise Hardy, une vanité qui nous parle d'un autre départ avec cet extrait de ce clip magnifique. Aucune larme, aucune viendra m'étrangler. Aucun nuage
de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Alors, nouveau départ vers quoi ? Eh bien, par exemple, une proposition vers une métamorphose au-delà de la mort, comme le suggère cette série de fusains de Cindy Wright, une œuvre d'une jeune artiste anversoise avec le retour du papillon. Rappelez-vous le médaillon grec avec le papillon sur l'épaule d'Hermès et aussi la mosaïque romaine avec le papillon qui repose sur la roue du destin, tous les deux en lien avec le récit mythologique de l'époque. Eh bien, dans cette œuvre de 2016, nous avons un memento mori, cette fois lié à une spiritualité plus large, contemporaine, qui accepte d'autres niveaux possibles de sens, indépendamment de tout récit collectif, mythologique ou religieux historique. Il y a cette formule de Frédéric Lenoir qui dit « Dieu n'est pas mort, il se métamorphose ». Ou encore un nouveau regard par la danse, cette fois, la gestuelle corporelle qui cherche à traduire d'autres niveaux de conscience. Sur la musique de la danse macabre de Saint-Saëns, le chorégraphe Tcherkaoui fait deux spectacles récemment sur le Memento Mori. Alors la lucidité sur notre finitude nous permet d'abord, dit-il, de nous réapproprier notre vie, d'abord à successeur. Et aussi, cette lucidité nous invite à la recherche spirituelle, car si la finitude ne change pas, c'est le regard que l'on pose sur elle qui change, et faire face, dit-il, c'est grandir. Alors, je vais laisser le dernier mot à l'art. Cette permanence des vanités au fil du temps ne serait-elle pas là simplement pour nous dire « Parlons de la mort pendant qu'il fait beau, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui », selon la très belle phrase de Gabriel Ringlet. Car tous les matins du monde sont sans retour, comme le rappellent Pascal Quignard et Alain Corneau. Et aussi, comme nous en avertissait déjà un chef-d'œuvre de vanité musicale de la Renaissance attribué à Stefano Landi, dont le titre est tiré d'une phrase de l'Ecclésiaste, toujours lui, « L'homme passe comme une ombre », œuvre ayant comme sous-titre la Passacaglia de la Vita, la danse de la vie, une danse à laquelle, comme dit le ténor Marco Besley, nous sommes tous invités, un jour, sans masque ni costume. Ça dure 4 minutes, je vous avais annoncé ce morceau. C'est magnifique et je vous laisse écouter. Come ti inganni se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire. È un sogno la vita che passi gradita, è breve il gioire, bisogna morire.
non va la medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non sberatemi in aria bravate che caia l'ardire, bisogna morire. Dottrina che giova, parola non trova che placi l'ardire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non si trova modo di sciogliere il suo nodo, non vale fuggire, bisogna morire. Comune il statuto, non vale l'astuto, sto colpo schermire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. La morte crudele, è infedele, ognuno svergogna, morire bisogna, è pura pazzia, o gran frenesia, partirsi menzogna, morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. Si muore cantando, si muore suonando, la cedra o zampogna, morire bisogna, si muore danzando, bevendo, mangiando, con quella carogna, morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. I giovani tutti e gli uomini tutti sanno incenerire, bisogna morire, i sani, gli infermi, i bravi, gli inermi, tutta la finire, bisogna morire, e quando che meno ti pensi nel seno, ti viene a finire, bisogna morire, se tu non vi pensi, hai persi i sensi, sei morto e puoi dire, bisogna morire, bisogna morire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre attention. Je pensais qu'il resterait un temps pour un échange questions-réponses, mais j'avais un partage assez ambitieux, donc je crains que... C'est M. Draguet et M. Moraes de l'Académie qui vont nous dire s'il y a encore du temps pour les questions, mais je crois que j'ai pris la majorité, la plus grande partie du temps. J'espère que vous avez pu regarder, écouter ce partage dans de bonnes conditions techniques, parce que, évidemment, cela ne remplace jamais le fait d'être tous ensemble dans une même salle, avec un grand écran et une sono en conséquence. Et avant de passer à d'éventuelles questions-réponses, je dois absolument encore remercier deux personnes qui m'ont beaucoup aidée. D'une part, Benoît Desclés, qui est un mélomane exceptionnel et un musicien, pour toutes les discussions animées que nous avons eues, notamment sur les vanités musicales. Merci Benoît. Et puis José Baranga, pour la collaboration talentueuse au graphisme assez élaboré de cette présentation, dont parfois j'ai loupé quelques clics, vous voudrez bien m'en excuser. Je voulais aller un peu vite et voilà.
J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette présentation. Mais à mon tour, chère Geneviève Toussaint, je voulais vous remercier pour ce vaste panorama que vous nous avez livré. C'était effectivement ambitieux et on comprend aisément que nous nous retrouvions arrivés. Vous avez terminé de parler à l'heure où théoriquement la conférence prenait fin. Mais la générosité de l'Académie étant sans limite, on me dit que nous avons une dizaine de minutes pour un certain nombre de questions, s'il y en a. Il n'y en a pas eu beaucoup durant la conférence, il y a eu beaucoup d'appréciations, vous les reverrez. J'en ai vu une, il y avait un des participants au panel qui s'interrogeait sur le point de savoir si, je cite, le monument des vanités ne serait pas Salvador Dali. Oui, ça c'est une question qu'on pourrait effectivement se poser. Vous avez posé la question au début aussi de la vanité des avocats qui leur est prêtée en tout cas. D'un certain nombre d'avocats, en tout cas c'est un défaut qui leur est prêté. Mais en tout cas, c'est ce que Daumier décrivait. Ça n'est pas particulier ni à une profession ni à un artiste. Et donc Salvador Dali... je ne vais pas parler de Salvador Dali, ce n'est pas ma spécialité de son travail n'est pas ma spécialité, mais donc, il a aussi abordé le thème des vanités d'une autre façon par la dérision aussi. Il y a aussi un peu de vanité dans sa peinture. Mais si la personne qui a posé la question fait référence à son comportement, alors qui est aussi de la dérision. Mais rappelez-vous alors, je renverrai à la phrase du philosophe Blondel qui me semble très pertinente, c'est que même quand on rit de la mort, quand on a on tient la mort en dérision, évidemment on la tient à distance et pour ne pas voir ce qui nous dérange, mais en même temps. En faisant ça, c'est aussi un memento mori. Donc, voilà. Bien, bah écoutez, je ne vois pas, je reclaviote pour voir si quelqu'un... Non, vous avez simplement une suite de merci, de bravo, pas de questions. Permettez-moi au nom de tous les participants de vous remercier, aussi au nom de l'Académie. C'est un véritable plaisir de vous écouter. Je vais rendre la parole à l'Académie et remercier l'ensemble des participants. Et je me réjouis de voir ce regard porté sur les vanités s'étendre encore au-delà dans tous les domaines artistiques à venir. Bonne soirée à tous, bonne soirée Geneviève. Désolé de ne pas pouvoir célébrer votre conférence plus dignement, mais nous vivons tous cloisonnés les uns à distance des autres. À très bientôt à tous et passez une bonne soirée. J'ai encore une petite information à vous donner que j'ai oubliée, c'est que pour ceux qui seraient intéressés... ce sujet, un principe, un livre est prévu qui devrait être tiré de cette conférence. Voilà. Eh bien, c'est bien noté. Merci à tous encore. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir à tous.